Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Project Zomboid. Alors, on est de retour ici. Impeccable, la dernière fois on avait bien sécurisé la zone. Alors vous m'avez mis en commentaire, je vais commencer par ça, que j'avais récupéré des sacs militaires qui étaient mieux que le sac de base. Donc nous ce qu'on porte actuellement c'est un sac à dos. Capacité 27, réduction de poids 85. Et visiblement j'ai des sacs militaires aussi. Ils sont probablement dans la voiture. Alors écoutez, ça tombe bien. Parce que de toute façon, je vais retourner à la voiture. Ok. Oh, je vois une petite planche là, on va en profiter. Yes, impeccable. Voilà. C'est bon. Ouais, pareil, vous avez été pas mal à me dire que en effet, le. Ouais, j'entends un zombie. Ouais, vous étiez pas mal à me dire que le bâtiment était intéressant. Alors, on n'a pas fini de le fouiller, mais il y a ici, on n'a pas d'accès à cet endroit-là, je crois. Du coup, ça voudra dire qu'il faudra que je vienne avec la masse, notamment. Et puis, il y a ces conteneurs, là. Éventuellement, il y a peut-être des trucs dedans. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec la masse. Et puis, on va fouiller un peu toute cette partie-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la voiture. Histoire. Alors, oui, histoire. Il y a également ici. Alors, avec la voiture, on peut pas. On peut pas aller rentrer ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déplacer ici ces trucs-là. Éventuellement, péter, revenir avec un chalumeau pour faire une ouverture ici. Et ça nous permettrait. Ça nous permettrait de rentrer la voiture en passant par là, vous voyez. Moi ça me semble tout à fait correct hein, comme idée. Ouais. Bon, casque militaire par contre vous m'avez dit pas de différence avec ce que je porte actuellement, hormis bien entendu l'aspect élégant. J'en ai bien là. Je les sors des corps comme ça, ils seront au sol. Mais moi, ça me fera du matériel quand je reviendrai. Intéressante cette zone. Alors, il faudra que du coup, qu'on aille visiter plutôt vers l'est. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la base. Et puis, on va poser un petit peu tout ce qu'on a récupéré. Parce qu'on a récupéré pas mal de choses. Et puis, je vais faire une étape à la base, évidemment, pour m'occuper un peu de la base, des rangements. Et puis comme on a un générateur qui tourne, faut quand même y revenir régulièrement. Au cas où, vous voyez. Il ne s'agirait pas qu'on mette le feu, quoi. Ouais, c'est ce que je regardais. Vous voyez, ici, là, le sac militaire, réduction 87. Donc en effet, hein, le sac militaire est plus intéressant. Que du coup, je vais le prendre. Voilà, ah, c'est bien ça. Attendez, on va le tester. Hop, parfait. Bon, du coup, on va laisser celui-là là. Et on a un deuxième, au cas où, si on veut l'équiper en deuxième main. Allez hop, filons. Alors pareil, vous m'avez mis en commentaire plein d'informations sur les vêtements. Bon, ce qui ressort hein, globalement, c'est que les vêtements de pompiers sont les meilleurs. Donc, pareil, bah, dès qu'on verra des pompiers, on essaiera de récupérer leurs fringues. Hein. Et par contre, ouais, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que les vêtements de pompiers, a priori, on ne peut pas les réparer. On essaiera d'en trouver plusieurs, de se constituer une petite garde-robe, comme l'a conseillé Julie. Éventuellement, ce qu'on ferait bien aussi, c'est aller voir s'il n'y a pas des sacs de sable par ici. On avait un entrepôt là qui était pas mal. Ouais, c'était ici. Ouais, ça serait bien ça. Ah
fait un pack. Oh là là, mince. Oh, c'est la cata. C'est la cata, là, ils sont nombreux. Est-ce que je ne saurais pas les emmener là derrière? On va déjà essayer de les pousser un peu. Parce que là, ils vont vite devenir assez pénibles. Ah, toi t'as une hache. Ah bah parfait. D'accord. On va les emmener là-dedans et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a moyen de s'enfuir par là? C'est ça le problème. Est-ce que j'ai pas à manger sur moi? J'ai rien du tout. Et je commence à avoir plutôt très faim. Non. Par là, ça sert à rien que je saute. Un cimetière. C'est plutôt une bonne piste, ça, quand on est en pleine apocalypse zombie. Oh bah Ellie, on aurait peut-être pu m'en tuer au moins un là. Est-ce que je peux passer derrière ce mur? Je peux. Ok. Voilà, jouer discrète. En espérant qu'ils ne reviennent pas. Ah, attendez, on va aller chercher quand même la petite hachette que j'ai vue. La hachette, c'est intéressant. Et ensuite, j'irai faire l'entrepôt. J'irai faire l'entrepôt pour récupérer des sacs parce que j'aimerais avoir de quoi transporter de la terre si besoin. Yes, toi t'avais une hachette. Yeah. L'œil de lynx. Allez, on va aller dans l'entrepôt, je vais aller récupérer des sacs de sable. J'espère cependant que les zombies que j'ai amenés à l'intérieur ne partent pas. Ouais, ne partent pas en direction du. On refasse pas le tour quoi. Voilà. Ici. On est correct. Oui, il m'a vu ou pas? J'ai pas envie que tu m'arrives dans le dos, toi. D'accord. Bon, devait y avoir un cafard au sol. Alors, on avait plus ou moins tout fouillé ici, donc. Ah ouais, voilà ça. Ah bah, sac vide. Voilà, j'ai trouvé ce qui m'intéresse. Peck. Alors, je sais plus si j'avais trouvé ce qui m'intéressait ici. Éventuellement, je vais faire les 2-3 zombies qui traînent là. Et puis. Ouais, on a des briquets. Crotte. Alors, c'est vrai qu'avant, on avait la durabilité des items. Crotte. Ah, il y a pas de monde là. Comment ça se fait? On va essayer de faire ça comme on peut. Ah bah oui, forcément. Bâtard. Allez, venez. Regardez. La rouge, merde. Voilà. Vous avez des trucs intéressants, eux? Non. Par contre, je suis fatigué. Bon, j'ai déjà un sac de sable. Oh! Ah bah, une hache, c'est oui. Je vais dégager par contre les lances cassées. L'intérêt de la lance aussi, c'est que bah, ça permet de se battre sans trop de stamina. Oh, du plâtre. Pourquoi pas.
J'ai l'impression que j'ai fait un double clic et qu'il a équipé la hachette. Hache de bûcheron, on va en reprendre une. Ah, sac vide, génial. Au niveau des graines, on était pas mal, je crois. Il me semble-t-il qu'on n'avait rien de notable. Bon, les clous, c'est toujours bon. Avec les anglaises. Ah, un petit seau, ça c'est oui. Boîte de clous, c'est oui. Bon, on avait fouillé vite fait, hein. On s'en souvient, ça avait été plutôt sommaire. Masque de soudure, j'ai un gros doute. Il semble que oui, mais je préfère le prendre. Fertilisant. On a déjà à la base un peu de fertilisant. Il y a des caisses là ici aussi. Bon, je suis fatigué. Le problème c'est quand je vais arriver à la base s'il y a des aides. Je vais lutter à les tuer. Est-ce qu'on n'a pas ici... Ah si. Allez ici. Oh. Oh, mais il y a plein de trucs là, dis donc. Exceptionnel. La bois, les clous, encore une hache. C'est bien, on prend, eh. C'est superbe. Ouf, encore une hache. Bon bah dis donc. C'est la révolution. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai vu ça. Oh, encore une hache. Mon vieux. Et on a un beau couteau là. Celui-là, je vais le prendre avec moi. Ah, c'est intéressant maintenant que vous avez un truc rouge quand on peut pas transférer. Pas mal. Et là, on a quoi? Oh, encore plein de choses, eh. Encore une hache, couteau, ok. Si jamais on a besoin de hache ici. Ici il y a des choses. Hein. Oh, c'est drôlement bien ça. C'est drôlement bien. Du coup, ce que je voulais me faire, moi, c'était. Voilà. De lance. Voilà. On est un peu lourd. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la voiture. Et on va rentrer à la base avec tout ça. Bon, c'est cool. J'ai récupéré mes sacs. J'ai deux sacs de sable. Normalement ça devrait suffire pour ce que j'ai à faire. Est-ce que j'ai pas... Ah si, petit cachet, histoire de pas être trop fatigué. Voilà. Longtemps que ça tape encore. Alors, regardez, les zombies ont dû faire le tour. Ouais, ils ont fait le tour. Bon, on va partir de façon complètement discrète. Hein. Allez, on rentre à la base. On a plein de rangements à faire. On a plein de trucs à... On a plein de trucs à ranger. Et puis on a du travail aussi. Parce qu'il va falloir organiser tout ça, parce que pour l'instant c'est un peu le bazar. Ah bah on arrive chez nous, on le sait, parce qu'on a notre petit lampadaire qui fait son travail de lampadaire. Hop. Fantastique. Oh. Eh bah nickel. Voilà. Ok, on va le faire fumer. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vider un petit peu tout ce qu'on a, récupéré. On va quand même check lui avant. Carburant 65%. On est parti un peu plus d'une journée. Faudra voir peut-être à éteindre des lampes et des trucs comme ça pour éviter que ça consomme pour rien. On va aller le faire manger. Donc on va checker son poids avant. 81, ça baisse. Pour l'instant, le poids est bon. On va ranger. Je vais ranger le maximum de trucs. Pour l'instant, je vais mettre ça dans la caisse qui est ici, parce que j'ai pas d'autre endroit. Voilà, on a récupéré 3 haches et il en reste sur place. C'est fantastique. Et on a des haches de bûcheron aussi. Ça, c'est bien. Je vais aller me préparer à manger. Ensuite, on va dormir. Et puis, ensuite, il y aura un peu de farm. Et ensuite, on attaquera un peu les constructions. Ça me paraît une bonne idée. Là, on a pris le deuxième point de cuisine. Ça, c'est pas mal, ça. Ok, de l'eau. Là, il faut aller dormir. Le personnage est fatigué. Je vais voir si j'ai pas des lumières en trop d'allumer, là. Okay.
Allez, dormons. Ok, parfait. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller récupérer pas mal de bois. Parce qu'en fait, on en a besoin. On en a besoin pour différentes choses et notamment pour m'occuper du plancher. Alors, ce que vous me disiez, c'est que si je faisais directement du plancher ici, normalement ça devrait être bon. Du coup, si on veut aller récupérer du bois, il va falloir que je vide elle. On va tout poser par terre. Voilà, on va prendre la hache. Voilà. Bon, normalement, on a un super sac à dos. Ça devrait être plus simple pour transport de bois. Du coup, il va falloir que je retourne dans la forêt. Allez, Zou, c'est parti. On va se faire un chargement. Je pense que ça devrait suffire. On a déjà des bûches dans ce coin-là. On va s'en faire quelques-unes, histoire de se faire des bûches d'avance. Ok. Alors, histoire de pas tuer le perso, là. On va le faire manger. On va le faire se reposer. Alors, c'est assez marrant parce que quand on en donne... Je sais pas si vous avez ça aussi de votre côté, mais moi, quand je chasse les bois, j'entends des dindons. C'est assez étonnant. Alors, je préfère ne pas charger le perso parce qu'en fait, après, ça lui fait mal au dos. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que le fait de transporter des trucs lourds, ça le muscle? Vous voyez, en fait, vous avez une caractéristique de force qu'on peut augmenter. Et je m'interrogeais, je me disais, ça se trouve, quand le personnage se déplace en étant surchargé, ça se trouve, ça lui augmente ses capacités en force, peut-être. Si vous savez ça, ça m'intéresse. Je vais aller poser la hache, là, parce que c'est assez lourd. Je vais la poser, d'ailleurs, ici, hein, par terre. On va la ranger au sol. Comme vous le savez, le rangement au sol est la clé de voûte de la survie. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore adopté, il faut l'adopter, bien entendu. Je retourne chercher une fournée de bûches pour être peinard à ce niveau-là. Et après, je pense qu'on aura ce qu'il faut pour faire le sol du garage. Ok, dernière fournée. Nickel. On va décharger tout ça, et comme ça on aura le matos, je pense, pour faire le sol. Alors pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà montré ça dans des saisons précédentes de Project Zomboid, mais là je vais pas faire parce que ça m'embête. Et sachez que vous pouvez transporter beaucoup plus de bûches simultanément si vous avez des cordes. Donc, si vous avez des cordes, hein, gardez-les, ça peut servir. Et voilà. Ok, super. Je vais aller chercher la scie ainsi que tout ce qu'il faut et puis on va pouvoir attaquer. Alors avant, j'ai bien envie de nettoyer un peu le sol, désherber tout ça. Ensuite, on va mettre le plancher. Ça évitera qu'on ait de l'herbe par-dessus le sol. Voilà. Ok, Zou, je vais chercher tout ce qu'il faut. Ok, alors là, l'idée générale, hein, ça va être tout simplement de débiter tout ça. Alors, je vais vérifier avant un truc, histoire d'optimiser un peu les choses. On a le multiplicateur au max. Avec un peu de peau, on va réussir à passer un niveau de menuiserie avec ça. Allez, je vais débiter. Ok, c'est parti. On va pouvoir s'occuper de notre plancher. Alors, arracher l'herbe ici. Voilà, et normalement, si je construis seul en bois, l'herbe ne devrait pas pousser par-dessus. Alors, ce truc-là me dérange, là, ça, là. Hein. Je vais aller voir. Si je prends de la terre, ça se trouve, il disparaît. Alors, c'était aussi pour ça que j'avais besoin, en fait, d'un sac. Hein. C'était pour m'assurer que on n'ait pas de... on n'ait pas d'herbe qui pousse à travers le plancher. Alors, généralement, quand vous prenez de la terre, c'est pas censé repousser. Prendre de la terre, là... Essayer. Mince, il y a des petites plantes là. Bon bah, on va voir ce que ça donne. D'accord, on a de l'herbe sur notre plancher. C'est ce que je craignais. Cette herbe là, j'ai pas pu l'enlever. Bon bah, on va devoir faire avec. Éventuellement, je mettrai un meuble devant pour pas que ça se voit. Ok, alors petite astuce aussi pour les constructeurs. Une bonne astuce quand vous avez beaucoup de planchers à faire comme j'ai là, vous prenez vos bûches et vous les, en fait, vous les espacez un petit peu comme ça. Voilà, on va en mettre une ici. Voilà.
Ensuite, vous les débitez sur place. Alors, il faut savoir que quand vous débitez quelque chose, hein, il est débité sous vos pieds. On va débiter celle-ci. Voilà. On va débiter celle-là. Voilà. Et là, vous voyez, bon, j'ai plus de planches, hein, dans mon inventaire, mais je vais pouvoir construire du sol dès lors que je suis à portée. Du coup, ça vous évite de casser le dos de votre personnage. Et c'est plutôt commode. Et voilà. Bon, on n'a pas pris notre point. Ça c'est dommage. Je vais laisser le béton ici, j'aime bien. Du coup, j'ai un excédent de planches. On va les poser ici. Bon, deux. Ça, c'est pas fou. On va les dormir quand même. Et puis ensuite, on va faire les premiers aménagements, histoire de ranger un petit peu tout ça. Eh ben, une rude journée. Hein. Le personnage est... C'est pas mal activé. Ça fait plaisir. Je sais pas s'il prend de la force en faisant tout ça. J'aurais peut-être dû regarder avant. Par contre, il continue de perdre du poids. Ça me dérange un peu. Yes, allez hop, c'est parti. On va pouvoir organiser tout ça correctement. On va enfin pouvoir revenir d'expédition. Et ranger bah, tout le bazar. Comme ça nous convient. Alors, on avait une étagère hein, qui traînait par ici. Elle est là. Parfait, on va prendre la pièce 1 et la pièce 2 là-dedans. On va pouvoir l'installer ici. On va la mettre comme ça. Voilà, donc ça, je pense que je vais en faire l'étagère à outils. Ici, je pense que je mettrai un petit bureau. Ça serait pas mal, je vais aller voir si j'en ai un dans la maison. Ouais, j'ai ça, ça me va. On essaiera d'en récupérer un plus sympa. Oh, bah, parfait. Ouais, je trouverai un bureau d'office. Parce que ça sera peut-être plus joli. On verra. En attendant, je vais mettre celui-là. Ça permettra de mettre la CB. Ici. Éventuellement de poser des items. Parce que celui-là, ouais, est un peu clair. Et alors, j'avais envie de mettre une caisse ici sur le côté. Pour ça, il va me falloir des planches. Alors, je me souviens plus combien il faut de... Caisse en bois, c'est 3. C'est bon, on devrait avoir le compte. Et ben voilà, parfait. Du coup, là-dedans, je pense que je mettrai toutes les petites brindilles. Ça servira un peu de vide-poche. Éventuellement, quand je reviens d'expédition, ça peut être pas mal. Donc ici, on avait dit hein, tout ce qui est outillage. Donc je vais tout de suite tout transférer. Ok, bon, j'ai fait un petit peu de rangement. Donc vous allez voir, j'ai mis les outils. Tout ce qui est plutôt petit outillage et les trucs a priori que j'utilise moins pour me battre. Vous voyez par exemple là, il y a les haches de bûcheron. Alors j'ai mis les marteaux, clés anglaises et tout ça. Et de ce côté-là, j'ai mis les scies et notamment la masse qui est maintenant dans l'étagère qui est ici. Alors l'idée pour la suite, ça va être de récupérer des étagères pour faire plein d'étagères. Les unes à côté des autres, et puis on rangera par thématique. Alors j'ai équipé les deux sacs à dos, ça permet d'en transporter un petit peu plus. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Je pense que la prochaine fois, on partira en expédition pour aller chercher des étagères, notamment dans le grand entrepôt. Ça serait, je pense, une bonne idée. Eh bien les gens, on va s'arrêter là-dessous. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez comme d'habitude à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut !